Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Book of Ours. On continue d'avancer notre petite aventure. Décidément, je ne m'en lasse pas. Ici, on devrait pouvoir l'ouvrir avec la midwife demain. Là, j'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'on a ouvert? Du coup, on a activé ça. Encore un pont cassé. Et là, une toute petite pièce. Oh, une toute petite pièce. Entrer ici sans être préparé, c'est risquer la dissolution. Sympa. Alors, qui on va envoyer se faire dissoudre? Bah, on va aller chercher machine. Mais c'est pas un objet, parce que c'est pas de l'assistance, c'est du... Ah oui, t'as raison, c'est un souvenir, c'est pas une assistance, ouais, donc c'est un souvenir qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Un souvenir de niveau 3. Eh, on a aucun souvenir de niveau 3. On n'a aucun souvenir de niveau 3. Et pareil, le pont, est-ce que c'est vraiment de l'assistance? Si, le pont sur ce genre de chiffre, c'est de l'assistance. Alors du coup, ça veut dire que peut-être il y a moyen de faire quelque chose pour que les pour fusionner les souvenirs ou un truc du genre? Ou de les faire monter de niveau? Peut-être que juste... Bah juste, il y a sans doute des souvenirs de niveau 3, mais là... autant de styles différents... Ça sous-entend qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi encore. Qu'il y a un moyen de faire quelque chose avec les souvenirs. Quoi qu'il en soit, on avait de toute façon déjà du boulot à faire. Donc là-haut, on a débloqué le truc de type mouse. Alors en mouse, on a quoi? Non, c'est vrai que c'est pas le mystery. On va faire venir ça. Tac, tac, tac. C'est lequel? C'est celui-là. Triste, c'est 3. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas un skill à 3? 2, 2. Ok, donc quoi qu'il arrive, il nous en manque un. Donc il nous faudrait un memory. À moins qu'on ait un outil de type MOS. Bon, je clique sur la flèche là. Ouais, dans tout ça là. Voilà, parfait. Une petite jarre. Un petit livre, un petit triste et un petit skill. Du coup, celui qui était à 3. Putain, ça a tout changé. C'était Link, je crois, non. L'édicte, non. Lui, non. Raté. Où est-ce qu'il est? Ah non, il suffit d'un 2, pardon, il suffit d'un 2, c'est bon. 2, ok. On pourrait fabriquer du moss gold, une peinture. Ok, on s'en fout. On s'en fout. Du coup, là, on peut le lire. Et là, uranoscopie. Glass bowing and vessel crafting. Il y a tellement de trucs, quoi, c'est ouf. On a beaucoup de sky, on a un truc qu'on peut faire du sky ici, et un deuxième ici. Et salut Broubrou, bienvenue sur le live. Et on a un Faust de niveau 2 et un Faust de niveau 1, et ils sont tous les deux à 6. Donc de toute façon, en termes de skill, on a lui qui est à 5, donc on pourrait avec le Faust de niveau 1, on pourrait faire ça. Et... Là, on est à 4, donc avec le faute de niveau 2, on le fait. Ok, bon, bah, c'est parti, ça mène pas. Toc, toc, et c'était lui, toc. Donc là, on a 6 pour 6. En fin de retour, t'étais en vadrouille, Brunef? Et oui, je sais, t'étais en vacances pour, je sais plus, dans le fin fond des Pyrénées, c'était ça? En télétravail, ouais, t'étais pas en vacances, t'étais en déplacement familial, comme on dit. Et 6 pour 6, c'est parti. Je sais pas, on sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas crafté. Bon, bah on a 3 masters en route pour aujourd'hui. Du coup, on pourra s'occuper de nos leçons. Donc là, il faudrait du scale, ce qui est pas mal, on a du health. Et là, il faudrait du hertz, ce qui est pas mal, on a du health. Ok, donc on va réserver nos... Il faut 2 health.
Et c'est dans les deux cas du level 1, donc il nous faut juste une memory de type scale ici, on va faire un fear. On va se mettre là, hop, on va le lire avec un REB. Mais tout à fait, quelle mémoire, t'as vu, hein, un broudaf, hein, un truc de fou. Hein. On croirait presque qu'on a des cerveaux, quoi. C'est assez improbable, je sais, mais... Et là, il nous faut un souvenir de type Hertz. Qu'est-ce qu'on a de disponible? On a la Storm. On va prendre la Storm. On va pouvoir la lire avec un REB, je pense, ici. Non. Avec un Whist, alors, c'est parti. Et donc, en termes de trucs à ouvrir... Là, on devrait pouvoir le faire avec, avec Mrs. Kyle. On va lui demander de l'aide. C'est avec celui-là, oui, c'est ça. Hop. Et du coup, on va pouvoir avoir deux là. Il nous faudra un souvenir, donc on va faire une deuxième Storm. Ou un autre souvenir. Un Solace. Vendu pour un Solace. Solace, ils sont là. Ouais. Il nous reste un bureau qui travaille pas, donc c'est parti, échec. Échec, échec. Alors, ce que je devrais faire, je crois que ce que je peux faire pour que ça soit plus simple, c'est que je peux ouvrir le bureau, et après, si je fais un clic droit dessus, il y va, voilà, c'est ça. Si on fait un clic droit sans un ouvert, ça va dans notre inventaire, mais sinon ça va dans le machin. Et on peut le lire avec un REB. C'est parti. Pour savoir si on s'est planté ou pas. Ah oui, le nouveau buste, il était là. On va le regarder avec un shaft. Je pense que c'était une bibliothécaire et pas... Ah, un petit train. Deux de nectar, ça c'est tonton ça. Ça, c'est très tentant. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être tenter un 6. Là, on a un en else. Donc, on a bien un skill qui fait du else. Je pense que les 6, j'ai dû le mettre là. Ouais, 6. 2 et 1, 3. Et un skill qu'on va monter de niveau. Ouais, c'est peut-être jouable. Et en plus, on a trouvé... L'outil de type nectar, là, c'était l'arrosoir. Ah ouais, carrément, ouais. Est-ce qu'on a un endroit, est-ce qu'on a un bureau de type nectar? Ça, c'est la question aussi. Là, non. Plus. Je vais laisser le temps passer pour l'instant, là. Là, non plus. Allez. Là, non plus. Là, non plus. Ah, zut. Zut. Pas forcément gênant. C'est pas forcément gênant. Dans lequel il faut réussir à la monter à 7. C'est ça. Là c'est 9, c'est pas envisageable pour le moment. Là ça la regarde pas, donc c'est un 7. Donc ça, là elle va avoir 3 plus 2 avec le souvenir. Ça fera 5. Et donc il faudrait un truc à boire de type else qui donne 2. Dégagez ça, voilà. On n'avait pas dit les pichons, ça donne 2. Bah les pichons, ça donnait 2 moons, ouais. Après, sinon, faut-il en avoir. Hein. Alors après, est-ce qu'on peut lui donner une boisson et un... Et à manger, ça c'est la question. Il y a un pichet de flotte, ouais, beauf. Ça c'est du 1 tout ça, hein. C'est pas ouf. Hein. C'est quoi? C'est juste un liquide ça. On va lui filer une espèce de vieux truc. Il y a des pommes là. C'est un de S les pommes. Y'a pas un petit alcool là de qualité quelque part qui ferait ça?
Un alcool là, qui clignote. Là, il y a cette bouteille, c'est quoi? Du vin rubis. Ouais, voilà, du vin rubis, très bien. Bon, il est fort. Hein. Il est fort, mais on va le prendre. On va le foutre dans un verre. La cuisine, elle est là. Pourquoi je peux pas le mettre dedans? C'est un liquide de type beverage. Et non, t'as un truc de... Là. C'est pareil, il faut que ce soit requis serve. Genre, si je prends une autre bouteille... Ah oui, elles ont serve. Ouais, donc ça, c'est cul sec, tu bois la bouteille, quoi. D'accord. Ouais, surtout qu'on pourrait booster du grail à la place, donc ouais, ça fait chier, du coup. On va la ranger. Chercher ce qu'on a d'autre. T'es là. Ouais, mais c'est un, c'est le witching tisane. Il y a ce truc là, là. Mais c'était pas buvable ça, mais non. Là, il y a encore du vin rubis, ça c'est du vin rubis, ouais, c'est le même. Il y a ça. C'est du woven. Peut-être que ça marcherait avec elle. Je sais plus si c'est du fabric ou du woven qu'elle peut prendre. Je crois que c'est du fabric qu'elle peut prendre. Je crois que c'est du fabric, ouais, moi aussi. Là, on a du chocolat, mais c'est pareil, c'est du 1. C'est pas si faisable que ça. C'est peut-être pas si faisable que ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Ah bah c'est l'huile de le second en fait. Donc l'autre c'est personne, c'est... Peut-être une libraire. C'est Eva DeWolf, bah c'est une DeWolf mais... tout le monde s'en fout de sa vie quoi. Elle a porté un fils et elle a eu une petite fille qui est morte jeune et on se souvient d'elle pour ça quoi. C'est... c'est pas super... Je sais que c'est plutôt de la merde. Dans les... Non, non, elle est pas libraire. Ça peut pas être une libraire, c'est une Deewolf. Les Deewolf, ils habitaient dans le truc avant que ça devienne une bibliothèque. Attends, on a pas un libraire. Non, pas à ma connaissance, non. Continuons. On a plein de souvenirs qui se génèrent. Comment on va gérer ce set? On pourra lui filer une poupée sinon. Pareil, c'est du grail donc. Donc c'est un peu dommage, mais. Du coup, on pourrait lui donner ça, mais c'est un. Ouais, c'est ça, c'est du fabric. Donc si on regarde. Fabric. Ouais, fabric, donc si je lui file ça. Elle en veut pas. On a toujours pas réussi à les avoir d'ailleurs. Si je lui file ça, elle en veut pas non plus. Ah bah zut, c'est embêtant. Du coup, si jamais on boostait son grail, on pourra peut-être atteindre un 9, hein, du coup, si on lui file une poupée par exemple. Y a rien à ouvrir avec du grail. Mouais, mouais, mouais. Alors, un souvenir. Un souvenir. Et un souvenir. Donc... On a une storm. On a un solaïs. C'est par ça déjà. Alors, avant, ce que je voulais voir, c'est est-ce que si je mets un souvenir ici, non. Je... Mais peut-être que si je considère un souvenir, je peux considérer deux souvenirs et les fusionner, un truc du genre, mais ça n'a pas l'air d'être le cas.
du coup, on voulait essayer lui. Mais je sais plus pourquoi on avait fait ça, par contre. Je me souviens plus pourquoi on avait fait ça. Je sais pas, vous faites tellement de trucs qu'à la fin, je sais plus. Ouais. Mais on voulait pas faire du... Ah si, on devait vouloir... oui, on voulait améliorer la leçon. Du coup, on va commencer... Alors, par laquelle? Est-ce qu'il y en a une qui est level 2 déjà? Non, ça c'est 1, et l'autre c'est ça. C'est du 1 aussi. Donc dans tous les cas, on aura du level 2. Donc on va faire ça, ça. Il nous faut une mémoire du coup. De type Hertz. Donc c'est celle-là. Et un effort de type Hertz. Parfait. On va monter ça level 2, ça va aller vite. Et on va pouvoir travailler là-dessus. Et du coup, le FIR il était pour améliorer ça. Parce qu'on a de la mémoire, mais c'est quand même compliqué. Alors, est-ce qu'on aurait un outil de type... else, dans tous nos trucs, là. Alors, ça, c'est quoi, ça? Un mortier. Ça, c'est du moss. Ça, c'est du grail. Et quel enfer. Le sablier, c'est le scale. Non, il n'y a rien d'autre dans le coin. Il y a pas mal d'outils, je les ai mis à la cuisine. Ça, c'est un outil, ça? Ah, ça, c'est un outil, ça. Alors, on va peut-être pouvoir voir. Peut-être qu'elle peut l'utiliser. Je crois qu'ils peuvent utiliser à peu près tout ce qui est outil. Vérifions ça. Alors, là... On a 2 de nectar, c'est déjà pas mal. Et là, on l'a monté à 5, et donc du coup, est-ce qu'on peut utiliser ça? Excellent. Ça donne un outil. Et donc après, il suffira de lui filer une tasse de thé ou un truc du style, et on sera bon. Les pommes. Ou les pommes, ouais. Dit que c'était trop gros les pommes, t'en avais marre des pommes. Ouais, les pommes, je jette à la mer en général les pommes, mais on lui filera les pommes. Allez, hop. Rendu pour les pommes. Et du coup, on a ce qu'il faut pour tenter d'activer ce livre. Par contre, je crois qu'on n'avait pas trouvé d'endroit avec du nectar. Je veux dire qu'il faudrait qu'on le fasse là, mais si on le fait là... Skill de type nectar. Ça. Une pomme à la mer. T'aurais pu grandir. Non, j'ai pas la ref. Je suis navré, je n'ai pas la ref. Là, on est qu'à 5, il nous faudrait pouvoir mettre ça, mais... Alors, on va refaire le tour de tous les bureaux. Là, non. Alors là, c'est du nectar, mais pareil, je peux pas mettre de papier dedans. Non, non. Pour les livres, il faut vraiment les bureaux. Hein. Le nouveau bureau, là. Non, c'était pas vraiment un bureau. Non, c'était pas un bureau. Là, il y avait pas de bureau. Là, il y avait pas de bureau. Ce bureau-là, non. Ce bureau-là, non plus. Et les deux qui sont là... Non plus. Donc ça veut dire qu'on le ferait nous-mêmes et on espère pouvoir utiliser un truc. Et bah go. Oh oui, ça se tente carrément. Pour un, ça se tente carrément. Voilà. Hop. Allez. Go. Et il faudrait qu'on génère un souvenir d'avance du coup. De type nectar. Et bah un impulse. Allez, c'est parti. Un poule, s'ils sont là. Ouais. Il y a lui qui ne fait rien. On va le lire avec un Nereb. Et c'est parti. Plein de choses, hein. Là, on a ça qui va ensemble.
Bah oui, c'est compliqué. Après le nectar, si on a de la nourriture, si on a du wall art, si on a un outil, enfin il y a quand même moyen. Hein. Il y a vraiment beaucoup de chances qu'on ait la possibilité. On en a même un aspect de l'esprit de Rab s'il faut. On fera ça une autre fois, c'est pas grave. Alors, on a masterisé ça. L'histoire de la sorcière serpent qui a tué un cheval. Très bien. Qu'est-ce qu'on apprend? Le souvenir, c'est du impulse. Bah, du coup, on a un impulse. Donc, le livre. Donnez-moi le livre. Le livre. Kitling Ripe on the Mouldiwarp's Grave. The Moldy Warps Grave, ça donne du Impulse. Donc c'est Moss 2 et notre truc Nectar. Ah, et on apprend Résurgence en Emergence. On l'a pas encore celui-là. Fort bien. Ensuite. Les vierges ou les servantes du miroir. Ok, les vierges, oui, dans le sens religieux du terme, aiment les orchidées. Le building aime le rhododendron. Ok, très bien, c'est extrêmement intéressant. Une leçon et un pattern. Ok. Alors, sur ce qui est contenu par l'argent. What is contained by silver? Pattern, c'est forge et non deux. Faut que je les range, hein. On oublie ce qu'ils font. Donc ça, c'était du impulse. Ça va là. Pattern, lui. Bon, ça c'est Solace. Pattern. Je crois que j'en ai déjà quelques-uns des patterns. Où tu es? T'es là. Pattern. Hop là. Et le dernier, c'était The Fallen Cross qui nous apprend un regret. Ah, tu vois, on commence à tomber, à tourner en rond, quoi. Donc je pense que. Comme pour le. Quand on trouvait pas comment générer les souvenirs, il doit y avoir un moyen de les fusionner ou. Bah, qu'on se renseigne, ouais. Par exemple, comment laver les serviettes, les draps. C'est important de savoir laver ses draps. Je sais, tu sais pas faire. C'est les salir. Ah, c'est déjà pas mal, écoute. Regrette, c'est là. Hop là, on a bien fait de prendre un grand pour lui. Cette semaine, j'ai expérimenté le vomito. Oui, bah on se passera les détails, ça ne te dérange pas. Alors du coup, bah on a un souvenir de type nectar si là on a besoin. Et elle, on a boosté son truc, on lui filait donc les pommes. Et elle sera à 7, voilà. Et du coup, bah on va essayer d'en régénérer des pommes, pourquoi pas. Mange des pommes, meuf. Mange des pommes. Mange-les. Avec quoi donc? Avec ça. Et puis un chapt, non. De toute façon, il faut qu'on garde notre health. Donc on va mettre un fait. Un peu brouillon, mais on va voir ce que ça génère. Des pommes. Oui, des pommes, Chobiti, très bien, des pommes. Bon, donc on va ouvrir là.
peut-être qu'on va réussir à faire des trucs avec du nectar. Alors là, on a plein de leçons à gérer. Hein. On fasse celle-là avant que on perde nos souvenirs. Et toutes celles-là, c'est du level 1. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré ? Stool, parfait, ou Haven. Haven, ça va améliorer certains aspects, mais on va pas prendre de risque, on va mettre le Soul. Alors là, on a terminé... Ah bah oui, le souvenir qu'on avait généré, mais on l'a déjà, du coup. Toi, t'as terminé, vas-y, au travail. Et là, elle a fini ses pommes, exactement. Ça suffit de glander, faut travailler maintenant. Voilà, on met le Soul. Et on a 6, c'est bon. Je me disais, merde, on a que 5, mais non, c'est le nectar. On a 6 de nectar, c'est parti. On va pouvoir terminer ce truc-là. On va pouvoir manger des pommes. On va pouvoir manger des pommes, oui. Non, mais... Écoute, si tu veux, tu sors et tu vas acheter des pommes. Hein. Il est tôt encore. Hein. C'est trouvable. Hein. Alors. Ah oui, en plus, c'était un bouquin sur le miel, quoi. Memory Contradiction. Pony. The Contradiction. Contradiction. Contradiction, ça fait quoi? Edge 2, c'est même pas du nectar, quoi. Edge 2 et Moon. Alors du coup, d'ailleurs, maintenant qu'on a... et on a une leçon insecte et nectar. Très bien. Alors du coup, on va s'occuper de monter ça level 2. Il nous faut une mémoire avec du scale et il nous faut un effort. Ah, putain, on l'a fatigué. Huc. Oh non. Faut qu'on le repose vite. Oh non. Oh, notre nos sous, c'est terrible. Attends, c'est après tes sous. Sripens. Et du coup, toi, il faut que je te range avec les contradictions. Ils sont quelque part, les contradictions, là. Ok. L'arrosoir, on va le refoutre dans notre chambre. Hein, il ne sert à rien, finalement. Il était où, déjà? Il était sur le petit... Ah oui, sur le tabouret. Non. Je suis en train de me dire que maintenant qu'on a ces skills là, on pourrait aussi essayer les plantes. Il faut un effort de type earth. Ouais, mais du coup ils sont tous fatigués. Super. Et une knowledge de type nectar. Mais on a de la knowledge de type nectar. Faudra qu'on essaye du coup demain de voir un peu ce qu'on peut faire dans le garden. En attendant, bah prenons d'autres trucs. Hein. C'est 60 secondes pour reposer le skill, donc on peut en apprendre 2. On n'en a aucun qu'on a eu en double, par contre. Que des mono-leçons, donc on va prendre que des skills level 1. We are vessels. Alors, je me demande un truc. Je vais essayer quelque chose, parce que quand on décide de monter de niveau qu'un truc, on a besoin d'une leçon. Mais ça peut être n'importe quelle. Hein. Donc je pourrais complètement utiliser ça pour monter de niveau ce truc-là, quoi. Si je voulais. Mais qu'est-ce qui est mieux ? C'est un peu ce que je me disais, je suis en train de me dire, j'ai quand même beaucoup de skills, il y en a beaucoup qui sont level 1, peut-être que ce serait plus pertinent de pas tous les apprendre et... Oui, mais tu pars du principe qu'il y a suffisamment de trucs pour pouvoir les upgrade. Et ça, il y a rien qui le dit.
Ça se trouve, il n'y a pas assez de livres et assez de leçons et tout pour pouvoir monter tous les trucs. Et on devrait faire des choix. Mais je suis d'accord, on n'en sait rien. Alors, on a ouvert la salle du coup. Oh, il y a plein de trucs du nom. Tiens, Marianne, du jambon avec 2 de Hertz. Parfait ça. Des pickle pilchards. Du jam, un petit peu de thé. Une grosse jarre de trucs. Des pumpkins. Des paquets à ouvrir. Et salut Adroda, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue tous les raideurs. J'espère que le live s'est bien passé. Là, il y a encore le chocolat là. Un petit café. Il y a du Engre gros. Un petit gin. Une grosse courge. Des petits maquereaux, ouais, bah c'est pas mal, c'est vraiment la réserve là. Hein. Vraiment la réserve quoi. C'est cool que ça soit très bien passé, Droda. Vous étiez sur quoi? Est-ce que mon shootout est réparé? Non, toujours pas, désolé. Bon, je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne plus. Ça m'emmerde. Bon, bah voilà, désolé, dédicace à Edroda. Si vous cliquez sur son nom, vous aurez sa chaîne, du coup. Et salut Evernel, bienvenue sur le live, du coup. PUBG, t'étais en random ou avec des personnes que tu connaissais? Et merci pour le follow, Evernel. On approche de la fin de la journée, on va peut-être cataloguer quelques trucs. Mettre un chapt. Avec un ami. Quelques victoires alors, j'espère. Enfin, victoire. Bon, PUBG, la victoire, c'est, ça peut être assez tendu, mais au moins des pas trop défaites. T'étais sur le bureau. Oui, quand j'étais sur le bureau. A gift to Eva the Wolf from an admirer. Ah oui, donc on n'a pas plus Non, d'infos. mais elle est citée à plein d'endroits, hein, Eva de Wolf. Mais là, je me demande si c'est pas la pièce d'Eva de Wolf, non? La Reading Room. C'est pas mal. Mais on n'en sait pas. Deux top 1, un top 3 et un top 1. Ah oui, pas mal. Gros niveau quand même. C'est cool ça. Allez, normalement, quand ça se termine, on a récupéré notre cœur, hein, notre santé. Parfait. Et on apprend Resurgence and Emergence. La naissance et la mort sont seulement des directions. C'est entre les deux qu'on trouve tous les carrefours. Elle est bonne contre l'infection, donc. Oui. Et bon goûter, Edroda, merci beaucoup d'être passé, d'avoir raidé. Hop, on va passer ça level 2. Bon, on a trois collections en cours, on en fera peut-être une dernière, on verra. Alors, ce livre-là. 4 de nectar. Et on peut le lire. On va le faire celui-là. Ici, il est infesté avec des witchworms encore. Du coup, il faut qu'on aille le foutre À côté de l'eau. à côté de son copain infecté. Voilà. Et le dernier, 14 de moon. Ah, c'est un peu chaud encore là. Serpent et venin. Ah Mais oui. mon Dieu, poison de l'ordre des assassins. Bah ouais, c'est du Dawn. Dawn, c'est 600 avant Jésus-Christ, quoi. Et du coup, il est cher aussi. Mais 14 de Moon, C'est pas si c'est peut-être pas si infaisable. Ouais, il faudra qu'on calcule.
On calculera ça. Avec les outils et tout, avec une bonne encre. La 4 win là, 4 2 de moon. Bon, c'est pas ouf 2, mais. Ouais, ouais, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Et peut-être que c'est sur ce genre de bouquin qu'on va commencer à avoir des souvenirs à 3. Hein. Déjà, là, on passe ça level 2. C'est 2 de nectar du coup. On va collecter un autre truc. Et... Hop. Alors, c'est pas collecté, c'est catalogué. Et on va en prendre plus sur les insectes et leur nectar. Pendant qu'on y est. En petite lecture de soirée là. Et après on en apprendra plus sur l'ouranoscopie. Je vois, j'ai pas le même style là. Ouais, il y a des petits os sur la carte, exactement. C'est la nuit, il n'y a pas de musique. Vas-y, lance la musique. Alors... La ruche, le nid et les chrysalis sont les trois secrets du monde d'en dessous. Deux de ces trois sont connus pour être la tentation de la douceur. Ok, parfait. Manger. Ça, c'est 2 de nectar, donc si jamais on arrive à le monter de niveau, il sera 3 de nectar, ce qui est plutôt cool. 4 de hertz, oh, ça va se faire très bien. Préliminal metteur. Ok, bah, un livre qu'on va faire. Le 14, je pense qu'on a peut-être des... Les 12 à faire avant. Regardez ce qu'on a dans la réserve. Il y en a un là qui a 12, ouais. Il y a un 12, je pense que 12 on peut se le faire. Est-ce qu'on peut le lire? Oui. En plus il est sur Icon Containment ce livre. Le livre noir de la Brujani. Pas bas niveau. D'accord. Les nectars bas niveau ils sont par ici. Non, je les avais posés là au début. On attend les 30 secondes, on apprend notre leçon et ce sera bon pour la journée. Non, c'est la sea glace. C'est pas du caillou, c'est de la glace. Le verre de pirate qui est pas du verre de pirate, exactement. J'ai beaucoup baissé la musique. Ah bah tant pis. J'ai coupé un peu, mais le master volume. Parce que même les clics et tout, on les entend plus. C'est quand même un peu dommage. Du coup, j'ai même pas regardé la leçon. Hop, qu'est-ce que c'était? Considérer les étoiles. Considérez chaque étoile et ses 7 noms. Observez que ces noms ne sont jamais partagés. Ok. Attends, les mecs, ils sont mystiques quand même, hein, des fois. Faut avouer. Alors, c'est le matin. Donc on a travaillé sur toutes nos leçons. Ça, c'est cool. On va pouvoir travailler sur de la maîtrise aujourd'hui. Alors, 12 de moon. Est-ce qu'on peut faire 12 de moon? On a un triste plus plus qui a 2 de moon. En termes de skill, on va classer par niveau. On doit avoir lui là. Lui qui a 6. Je pense que c'est le plus élevé qu'on a. Ouais, après c'est du 2, c'est trop bas. Ça fait 8. Donc on a 8, on a 10 facilement avec un souvenir. Et avec l'encre, on est à 12 du coup. Avec la Catwink. Donc ils nous font un souvenir à 2 de moon et on est bien. Un souvenir à 2 de moon. Qu'est-ce qu'on a dans le petit carnet? Le Stolen Secret, il est à 2 de moon. C'est parti. On va l'activer avec un Ereb. Donc c'est ici. Hop. Alors en attendant on peut faire des trucs base tôt, genre le 4 là, celui-là on peut le faire largement.
il nous faut un truc, voilà, 2 et un skill de type Earth. Même à 3, on va pouvoir économiser notre char et mettre un Else à la place. C'est parti. Et 4 de nectar. Alors le nectar, on n'a pas ce qu'il faut. Il faut qu'on travaille sur nous. Alors par contre, ce que je vais essayer avant, c'est de voir ce que je peux faire avec une plante. Donc je mets genre ça. Et puis je mets ça par exemple. Trumpeters, Lily, Steel, Flourish. Et bah go, voyons voir. Une 30. Ah oui, c'est long. C'est long, c'est long. Bah du coup on va en apprendre plus sur ça. Alors là du coup il nous faut un soul. Et en termes de nectar, maintenant on a insecte et nectar qui est à 2. Ça fait que 3. Donc il nous faut une memory de type nectar. Sur l'autre page on en a, ouais. C'est bah l'impulse, ça suffira. L'impulse, ça suffira. Alors, t'es où? Là. Non. Là. Là. On va lire ici. Comme ça, on peut utiliser ce qu'on veut, à savoir un REB. De toute façon, vu qu'on doit travailler le nectar là, c'est pas la peine de... C'est pas grave s'il s'est occupé. Oh, de la grêle. Tiens, j'en ai jamais eu. 3 de Edge, 3 de Sky. Ah oui, pour ça là. Il faut pas que ça... Ouais, ça sera trop facile sinon. Mais n'empêche que 3 de Edge ou 3 de Sky, à moins que ça nous serve quand même. Là non. 3 de Edge. Ouais. 9 de Sky. On a personne qui a du Sky. Mr. K, il a 1 de Sky, ouais. Par contre, et on peut le booster de 2, 5 avec le souvenir, ouais, c'est tendu. Hein. Edge est plus accessible, je pense. Mais le seul truc à Edge qu'on a, du coup, c'est là, à 9. Et je pense que le forgeron, il a que 1 de Edge. Après, en Edge, on a des outils, on a des plein de trucs, là. Lui filer du fer. Ouais. Pas très pertinent. En vrai, c'est pas très pertinent, malheureusement. Non, bah, je réfléchissais surtout à... Oui, on peut regarder qui est à l'auberge. Je réfléchissais à lire un livre avec. Il faut que je mette un penny. Hop. Voilà. Et sinon, lire des livres, un livre de type Sky un peu élevé, genre 8. 8, c'est trop, je pense. Edge 14, lanterne 12. Ouais, 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 ouais. Sky 6, et on peut le lire en plus celui-là. Et viens. Sky 4, on peut le lire aussi celui-là. Bah non, il y en a plein qu'on peut lire là. Bah oui, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu dans. Ouais. Bah oui, puis on a débloqué le Sky du coup. Donc effectivement, ça ouvre des perspectives. Ouais, mais bon, on n'a pas besoin de ça quand même dans tous les cas. Peut-être pour le 6, ça nous aiderait. Non, le 4, le 6. Allez. Vendu, il est là. On met ça, du coup on est à 3, donc si on met ça, on est à 5, si on met ça, on est à 4, il suffit d'un skill à 2 et on est suffisamment élevé. Hop, c'est parti. Et l'autre bureau de type Sky est juste en dessous et il travaille déjà. Là ça travaille. Là c'est de type Sky aussi. En avant. Il nous faut toi. Du coup, on est déjà à 2 et on rajoute n'importe quoi qui est de niveau 2. Alors, toi,
3, t'as 4, go. C'est parti. On va masteriser un peu ça. On va pouvoir faire le Moon. On avait dit peut-être pas le Black Book of Brittany, peut-être celui à 10 plutôt. Non, on n'avait pas dit ça. Je sais pas. Ou alors c'est le 14 qu'on avait dit qu'on pouvait pas faire. Ou le 14, on a dit qu'on pouvait pas. Oui, ouais, 14. Tout ce qui clignote, donc ça doit être bon, ça doit être celui-là. 12, on a dû dire avec l'an que ça passe, un truc du genre. Avec un souvenir qui est en train de se faire, je ne sais pas où. Là, vu qu'il est en même temps que celui-là. Ok, ok, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On a confiance, on a confiance. Et on a un bureau de type Moon ici, en plus. De près. Alors, un souvenir et un souvenir. Donc, ici, du coup. On considère ça avec ça, avec ça, et avec un skill de type nectar. C'était les insectes à 2. On était sur 4, parfait. Hop, c'est parti. Et donc, le Moon. On met ça, on met l'encre, on met la memory, on met notre skill le plus avancé. On est qu'à 6 sur 12. Mais on a un truc à 7, je crois. Ou à 6, voilà, parfait. On est à 12 pour 12. Ça, c'est propre. En avant. Bon, aujourd'hui on a fait un max de mastery. Avec ce qui nous reste, on pourrait booster du Winter, on pourrait booster de la Forge. Et là c'est pas du Winter. Là c'est de la Forge. 9 de Winter. Pour avoir 9 de Winter, il a 2 le mec. Plus 3, on passe à 5. Plus un souvenir à 2, on passe à 7. En termes de Winter, qu'est-ce qu'on a? On va virer ça. Est-ce qu'on n'aurait pas débloqué des outils de type Winter? Les échecs, là, c'est quoi? Pas des outils. On va lui filer de l'encre à boire, ça c'est pas des outils, c'est des singes. Les bottes c'est des outils, non. Nénéné, on pourra lui filer du bois. Un petit bout de bois de type Endwinter. Ouais. Je pense que ça se fait. On doit pouvoir se taper un œuf. On va aller chercher. Oui, on peut attendre. Ouais. Un musicien. Alors les musiciens, ils sont forts en nectar. Est-ce qu'on pourrait le monter à 7 quand même? Parce qu'en nectar, on a, mettons qu'on repose un else. On est à 1. Je pense qu'il doit avoir 3 ou 4. Donc on passera à 5 plus un souvenir. Les souvenirs, on n'a que 1. Non, c'est pas là, c'est mort. C'est mort. On pourra lui filer l'arrosoir. Ouais, on montera peut-être à 6, mais pas plus. Non, c'est pas la peine. Et en termes de sky et de rose. Donc je pense que c'est mort. Ça sert à rien. Peut-être avec la grêle, mais même atteindre 9. 9 c'est compliqué. Peut-être qu'on aurait pu faire 8. Ouais, j'y crois même pas. Non, non, on va travailler avec Mr. Kyle. C'est une valeur sûre, Mr. Kyle. Hop là, on va le passer là-dessus. Il faut qu'on génère un souvenir de type Winter 2. L'insight, c'est Winter 2, ou le regret d'ailleurs. Les deux sont bien.
Regret, Winter 2. Alors, est-ce qu'on peut le lire quelque part? Là, ça travaille pas. On peut le lire avec un Ereb. Faire un petit verre de lait ou un truc du style. Le bout de bois. On va chercher le bout de bois. Hop. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé? Des petites fleurs. Ok. Donc ça nous permet de ramasser des plantes. C'était le Lily Steel Fourish. Est-ce qu'il y a des plantes d'autres types? Non, dans tous les cas, il faut mettre... Non, ça c'est le chien. Dans tous les cas, il faut mettre du Health. Donc ça me paraît pas forcément très intéressant. Ok, on peut générer des fleurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Tu prends pas les fleurs toi, non. Par contre tu prends le bois. Ah là, on commence à consommer notre argent, hein. Terrible. Alors, on a Mastered, ce petit truc, level 4. Et on a quoi comme souvenir? Confounding Parable. Oh bah putain, tu vois, c'est un truc level 4, mais le souvenir il est hyper fort, quoi. Du baronial période, alors c'est peut-être plutôt la période qui joue. The Other Line. Parable. Donc celui-là, il a trois aspects. Moon, Rose et Sky. Moon 2, Sky 2 et Rose 2. Parfait. Voilà. On va te ranger. Voilà. Les Preliminal Mentor. Ok, intéressant. On va terminer ça. Là, on a encore 60 secondes. Ok, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Un Mastered. L'humour d'un gentleman. Oula. Les humeurs d'un gentleman. C'est une comédie satirique. Ça a l'air d'être à chier. C'est scabreux et de temps en temps très drôle quand même. Bah écoute. Et du coup, du gossip, ouais, sans surprise. The humor of a gentleman. Gossip, donc gossip c'est Grail et Rose. Deux roses. Et Sky Story. Bah non, on a eu Sea Story, Air Story, Sky Story. Bah, quand t'as eu Edict Inviolable, Edict Criminal. Ouais, ouais, je sais. On va avoir d'un peu tout. Donc, Gossip. Où est-ce qu'il est, Gossip? Gossip. Tuck. Vendu pour Gossip. Et l'autre? Ah ouais, ça c'est carrément contre le... Les Sisters of the Knot, quoi. Memory Intuition. Ah, c'est une memory de level 4. Et on est sur du Curia. Ouais, non, ok, il n'y a pas vraiment de sens. On va juste l'appeler Again Sister of the Knot, hein, parce que j'ai pas cette place dans mon carnet, sinon.
note. Et donc, intuition, je crois qu'on en a déjà eu aussi. Intuition. C'est Moon 2. Moon 2 et Rose 2. Et là, c'est 2 points à en tirer. Et on apprend du Sky Story aussi, tiens. Regardez. Alors, intuition, on l'a vu tout à l'heure. Il est là. Ouais, je me disais, ça me dit quelque chose, ce symbole. C'est le symbole qu'on a vu plusieurs fois des sœurs, là. Barré. Du triple note, sauf que là, il est barré. Ok. Et du coup, on aurait ce qu'il faut pour le monter. C'est de type rose, donc ouais, on pourrait le monter. On pourrait l'apprendre tout de suite et le monter. Il nous faut juste un aspect qui va bien. Ouais, nos fausses, ils sont fatigués. Et les roses... Ok, ça va le faire. On a un fait, donc c'est bon. Faut juste qu'on maîtrise le nectar. Alors, toi, du coup. On a débloqué normalement le Rigoret pour toi. Est-ce qu'on a mieux éventuellement dans les trucs qu'on a débloqués? C'est du Winter hein, qu'on cherche à monter, ouais. Là, c'est deux Moon, donc non. C'est parti pour les Rigoret. On est à 8. On va lui préparer un petit verre de quelque chose. Alors c'est con parce que je sais pas comment générer de l'eau des îles. Peut-être que si on arrive à ouvrir ça un jour, le puits là, on pourra le faire. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on pourrait générer? On sait générer. Ça. Legengro. On pourrait peut-être lui filer à boire de Legengro. Regardez. C'est du restaurative, c'est du beverage, il y a moyen qu'il accepte de le boire. Et du coup, non, nos whists sont fatigués, on va pas pouvoir en refaire tout de suite. Dommage. C'est trop tôt pour faire une sieste. On pourrait faire une sieste, mais si je fais une sieste, je consomme mon Eigengro, donc... Non, mais on n'est pas pressé, hein. Non, c'est vrai que t'as plus de drap, quoi. Je crois que j'en avais retrouvé. Non, c'est des serviettes que j'avais retrouvées dans un truc. Là, c'était des serviettes. Donc, c'était pas ce qu'il nous faut. Après, voilà, hein, de la boisson, on en a. Hein. S'il faut vraiment, on pourrait le faire. Hein. Il y a aussi des paquets à ouvrir à droite à gauche. On va en ouvrir un peu, tiens, avec nos trucs. Mais que ceux qu'on n'utilise pas, hein. Bah là on devrait pas en utiliser d'autres aujourd'hui normalement. Lui du coup, est-ce qu'il accepterait de picoler un coup avec moi? Voilà. Et il va être à 9, parfait. Donc avant on va faire les leçons, parce que les leçons elles sont dépendantes des souvenirs. En plus c'est rapide à faire. Donc ce qu'on ouvre, c'est où déjà? Là? En haut peut-être plutôt. Ouais, c'est là. C'est là, une chambre. Alors, ici, Kitling Rips Tasty Sweet. Ok, un truc pour faire des gourmandises. Alors, le secret apparemment est autour du fait que l'appétit de Kitling est suffisant pour la porter, mais pas pour être attrapé. Ok, pourquoi pas. Ah, Satisfaction, tiens. On n'a jamais réussi à le débloquer, celui-là. C'est parti. Un nouveau. Kitling. Je crois que c'est pas le premier livre avec Kitling dans le titre, d'ailleurs. Avec les histoires de Kitling Rips, là. Dusty Twits. Et donc c'est Satisfaction. Clavier sur le clavier sans faire exprès. Satisfaction. Donc Satisfaction c'est 2 de Grail. Ok. Et un Heart. Et c'est quoi la leçon? Space and Savour. Excellent.
J'essaierai de choper le DLC parce que on va pouvoir cuisiner dans le DLC. Je pense que ça va nous permettre d'utiliser des trucs qu'on n'a pas utilisés jusqu'ici du tout. Je vais quand même vérifier, mais Satisfaction, ça me dit rien du tout. Dans les trucs qu'on n'utilise pas souvent tout seul, là, non. Ici, Contradiction, Insight, ça c'est plein. Ça c'était le Storm, on va le mettre là. Satisfaction. Grail 2 et Earth. Hop là. Et donc on va ouvrir nos paquets. On dit les leçons d'abord. On apprend Sky Story. C'est vide. Il faut ouvrir une nouvelle boîte, on va dire. Tout à fait vide, la boîte de bonbons, il faut juste ouvrir une nouvelle boîte. Donc là, on va pouvoir ouvrir ça grâce à notre cher ami. Parle de gourmandise alors. Alors ici, Black Boot of Brittany, il nous apprend... Ouais, c'est un truc level 3, quoi, c'est nul. Pour un truc level 12, quoi. Enfin, c'est nul, c'est très bien, mais... pas comment on va pouvoir faire ces souvenirs level 3, il y a certainement une manip à faire. Donc c'est The Black Book of Brittany, non c'est ça. The BB of B. Of Brittany. Alors le nom du souvenir. Bittersweet Certainty. Le souvenir, il donne lanterne et vous avez les bruits, hein, c'est le Chobiti qui se déchaîne sur la boîte de bonbons. C'est où le Winter machin truc là? Là. On n'entend pas. Bah écoute, ça veut dire que la réduction de bruit du micro est excellente, hein, parce qu'elle est à 20 cm en train de s'exciter sur un papier en plastique là. Donc autant dire que ça fait un boucan d'enfer. Ah, on va peut-être pouvoir améliorer notre leçon du coup. Il faut du moon. On a un moon. Ah, si on pouvait améliorer notre ink, ça me ferait plaisir ça. Ça me ferait bien plaisir. Ok. Une chose à la fois. Déjà, on va améliorer la leçon. Sky Stories. Donc déjà, on va l'apprendre. Alors, les neuf vents discutent et parfois on peut les écouter. Ok. Une memory, c'est ça, le type rose. Et ce truc-là. Hop. En avant. Et Link of Containment, on va pouvoir la monter level 6 aussi. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien ça. Alors en vrai, hein, si on s'était focus, on pourrait sans doute les avoir level 9, 10 dans ces eaux-là. Mais, oula, petit lag. Mais c'est vrai que diversifier les trucs, c'est quand même pas mal aussi. Découvrir un peu tout ce qu'il y a, même si on n'est pas forcément ultra opti dans cette partie. Donc là, on peut mettre un effort de ce type-là. Il nous faut une leçon. Putain, par contre, il nous faut un paquet de souvenirs. Est-ce qu'on en a assez? Il nous faut des souvenirs de type Moon ou Winter, donc ça marche. Ça marche. Ça marche. Hein, et ça marche pas. Il nous en manque un seul. Il faut qu'on en génère un du coup. On a le temps. Vite fait. Un regret. Un regret. On va le mettre ici avec un Ereb. C'est parti.
60 secondes, ça va passer. En attendant, on va apprendre le préliminal metteur. C'est parti. On a le temps d'en apprendre deux, théoriquement. Et au passage, on pourra aussi cataloguer un peu. Hop, ici. Et là, on peut cataloguer avec toi. Non, toi, on te garde précieusement. Avec toi, on pourra cataloguer. Donc, on est parti. Pourquoi je l'ai fermé? J'aurais dû le laisser ouvert. Hop. Hop. En avant. On catalogue, on catalogue. Ah, il y a eu un bing de celle qui s'ouvre. Fermez ça. Alors, on a ouvert un gros truc. Un shrine, un hôtel. Avec du moss et du edge, pas mal. Il y a 3 et 4 livres. Il y a des grosses bougies. Hein, qui pourraient nous permettre de potentiellement faire des trucs avec... avec le recteur, plein de livres. Ça, c'est quoi? Pigment. Ok. Et encore du pigment. Très bien. Et donc des livres. C'est raté. Alors les jaunes, c'est quoi? Solar. Très bien. Il y en avait là en haut dans le. Quoi, ici, quoi, quoi, là, quoi? À droite. À droite. Ah oui, ils sont planqués, je les ai pas vus. Alors, on va aller chercher. Alors, on va enlever la pause, histoire que ça travaille pendant ce temps-là. Hop, hop. On va prendre la pause quelque part, la fleur, là, parce qu'elle nous sert quand même à que dalle. On peut pas y aller. Non. Ouais. Alors là, on a terminé une leçon. Regardez ce que c'était. Nine Mode, Nine Horizon, le rythme subtil des mots qui ouvre le chemin. Okay. On peut apprendre les épices en attendant que le souvenir se fasse. Tu viens. On va te poser là. Ok, il va falloir qu'on catalogue là. Alors, ce livre-là, c'est 6 de Sky. Ah, à propos des belles, ça c'est cool. Là, on va pouvoir travailler dessus. Et celui-là, c'est 4 de Sky. Bah, et là, on trouve un max de Sky. Hein. Lockwork and Clockwork. Ok. Nocturnal Period. Bah, deux qu'on va pouvoir travailler demain. Dès maintenant. Non, demain. Allez, la nuit est bien avancée là. Ouais, il nous faut le souvenir. Hein. Voilà, ça y est, c'est la nuit. Mais tu peux pas genre la mettre dans une chambre ou un truc du genre, ta plante, là? Si, si, je peux la poser. Voilà. On va ranger ça. Ah, ça y est. On a le souvenir, donc dans 0,6 secondes. Alors déjà, ça... Il n'y a pas de sacrifice si on n'a rien à sacrifier, en gros, hein, c'est le ton du truc. Une leçon, un souvenir, un souvenir, un souvenir, un souvenir, un effort. Et on est parti. Et ça, à quoi tu vas nous servir, toi? Ça, c'est 30 secondes seulement. Alors, on va s'en servir pour ouvrir un paquet, alors. Un petit paquet. Après, peut-être que les skills aussi ils ont des level max. Hein. Peut-être que. Peut-être qu'ils ont des level max. C'est possible. Bah, de toute façon, là, si on prend déjà là, si on veut aller tout en haut, il faut. Ça s'appelle Itasprin 9. Ouais. Donc, il faut au moins du level 9, quoi. Parce que là, c'est 1. 1, 2, 3, 4, ouais c'est ça. Donc il faut au moins des skills level 9. Ce qui a l'air d'être atteignable. Après là tu vois on est rendu genre à 9 ou 10 déjà pour ouvrir ce genre de truc.
Si c'est à peu près équivalent, ouais, on va arriver à 13-14. Bon, sachant qu'on peut pas utiliser les skills en plus là. Là, à mon avis, ça doit être particulièrement dur. Non, mais on débloque les skills, c'est bien, ça me va bien. Voilà, mine de rien, on a quand même réussi à monter ça level 6. L'encre, on va pouvoir la monter au level 6 également. Donc là, on va pouvoir l'ouvrir, et dedans, on va trouver un autre truc à ouvrir. Je crois que d'ailleurs, il y a un autre endroit où il y avait on avait trouvé des trucs à ouvrir, dans ce qu'on a ouvert. Il y avait là, mais il y avait un autre endroit, peut-être ici, ouais là. Hop, plein de trucs à ouvrir. Plein de pacales. Trop tard, c'est le matin, on n'a pas eu le temps de finir. Mais bon, c'est pas grave. On va ouvrir ça, alors non, on va en lâcher un parce qu'on va pas avoir de quoi mettre ce qu'il y a dedans. Et lui c'est 2 de nectar, c'est pas inintéressant. On va pas gâcher 30 secondes du coup. On va arrêter l'épisode de VOD là. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.